Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir à la découverte d'un sanatorium. Alors, un sanatorium, c'est un endroit où venaient en cure les tuberculeux. Cet endroit est abandonné depuis 1989. J'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter et à liker la vidéo. Ça aidera au niveau du référencement. Et puis, bon, bah voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne vidéo! Visite d'un sanatorium, c'est parti. On pensait avoir trouvé le sanatorium juste avant, mais en fait, non, ça devait être un... Ah merde! Ah, quoi que c'est, regarde. Non, il y a des trous, c'est bon. Ouais. Bon, on va rentrer par là, hein. Pas le choix. C'est reparti. On est dans le sanatorium. Ça a l'air ouf. Vieux lit d'hôpital. Du coup là on est dans un sénatorium. Sanatorium. C'est pas un truc pour les sénateurs, c'est un truc pour les vieux qui meurent. Et apparemment, il y aurait peut-être une morgue, mais... Vu la grandeur du bâtiment, il va falloir la trouver. Faites gaffe où vous marchez, hein. Une vieille machine, je sais pas ce que c'est ça. On va aller voir. C'est des vieux PC. Une salle de... Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Et du coup... Je sais pas ce que ça peut être. C'est chelou. Je crois qu'il y a une salle de... d'opération, un truc comme ça par là. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais juste là, là vous pouvez entrer par, je sais pas, ça me, c'est bizarre. On dirait une table, je sais pas. Ah ouais? Ah non, c'est une radiologie. Ah, c'est une radiologie. Oh, pas le légiste. Bah ouais, hein, c'est pas étonnant. Ça a l'air d'être immense, mais genre immense de chez immense. On va essayer de trouver la morgue, mais je garantis pas qu'on arrive à la trouver. On verra bien. Combien? 89? Le calendrier. Ouais. C'est fou, tous ces trucs-là qui sont... Moi, si j'étais une morgue, je serais en bas. Et on peut y aller. Tiens, il y a le fameux ascenseur.
Non, ça a l'air d'être la... Je sais pas. Chaufferie ou... Putain, mais c'est énorme, c'est gigantesque, hein. Ah, mais c'est un truc de fou. C'est immense. Ouais. Du coup, le lieu, il a l'air vraiment, vraiment, vraiment gigantesque. C'est... Voilà, c'est... Ça va de tous les côtés. Je sais même pas quoi dire. Tellement... Là-bas, il y a une espèce de... Je sais pas. On commence par la droite. On verra bien, hein, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Mais on peut peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un fauteuil roulant. Fauteuil roulant. Putain, mais c'est immense, quoi. C'est un truc de fou. Ça va jusqu'à je sais pas où, mais ça y va, hein. Peut-être dans une autre aile, je sais pas. Des douches. Hein? C'est reparti, on est toujours dans ce putain de sanatorium. Immense. Je sais même pas. Ouais, est-ce qu'on essaie d'aller là-haut ou... Ouais, je vais pas aller. Vas-y, on essaye. On essaye. Mais y'a même pas un plan. Ouais, les gars, vous auriez pu penser à mettre un plan quand même pour ceux qui visitent après. J'imagine. Encore des ascenseurs. C'est sûr, de toute façon, qu'il y a... Il y a forcément des trucs médicaux. Hein. Mais... C'est fermé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mort. C'est immense, mais vraiment. Regardez, quand on vous dit que c'est immense. Et c'est qu'une partie, ça. Donc... C'est vraiment gigantesque. Voilà. Quand je vous dis que c'est gigantesque, c'est fou. C'est beau quand tu regardes tous les hôpitaux qui ferment à droite à gauche, tu sais où je suis. J'avais... Moi, je te dis, quand j'ai regardé un peu hier sur Internet, ils disaient, donc c'est un site qui datait de 2017. Ils allaient peut-être voir la toute fin. Ouais, pour le réhabiliter. Pour le réhabiliter, ils devaient voir justement quel projet serait intéressant. Attention, on arrive au bout. Mais bon, après, il y a eu beaucoup de trucs. Le site, c'était pas compliqué. Putain, les écrans de PC cachent. Ah, petit local. Je ne vois pas. Écrire sur les morts. Enfin, sur les murs.
Ils aiment bien le 666. Là, il y a un petit fauteuil encore. Un bureau. Le bureau du directeur. Oh, regarde. Non, ça, c'est le mec qui devait faire le ménage. Avec sa petite cireuse, là. On est dans une autre aile encore. Les grands fourneaux. On brûlait les quatre. Pardon. Non, c'est la cuisine, regarde. Oui. Il venait manger là peut-être. Des toits. Non, je suis pas sûr en fait, ouais. Ça va manger. Cuisine, non? Je suis pas sûr, moi. C'est bizarre, ouais. Quoique. Blanche. Bon. Maman. C'est gigantesque. Non, ça a l'air bouché là. Non, c'est bouché. C'est gigantesque quand même comme lieu. Et là, il y a un truc qui sort du mur. C'est quoi ça ici? C'était un petit théâtre? Un petit théâtre pour vieux? Pas mal de tubes débouchés, donc je pense pas qu'on ira plus loin. Non. C'était quoi qui marchait? Ouais, qui courait même. On n'ira pas plus loin, mon avis. Non, mais je pense que c'est l'eau qui tombe. Je vais essayer de passer juste là. Ha ha ha! Le petit sous-sol! Oh non! Je vais foirer! Bonjour! Je ne vous fais pas de mal! Non, c'est petit comme sous-sol. Il n'y a pas grand-chose. D'accord. Il y a un petit sapin, un sapounet, un passe-plat, je pense. Ouais, non, c'est fini. Eh non, ce n'est pas fini. Et où est-ce que ça va? Nulle part. Si. Ouf. Il y a des gens qui sont... Wow.
Où est-ce que ça va, ce merdier? Les filles? Les filles? Les filles? On peut continuer? Redescendre et tout, non. C'est un dédale le machin. Oui, j'utilise le mot dédale, écoutez. J'ai pas de problème avec ça. On fait quoi? On monte ou on va par là-bas? Oh, un pigeon! Une pigeonne? Ah, il y a plus d'œil en plus. Oh, regarde toi. On fait quoi? On monte ou on continue par là-bas à gauche? Montons? Montons, capucine. Le problème c'est que j'ai peur que vous ressortiez, il fait trop passer là. Ouais, c'est possible. Et du coup, ça me fait peur parce que j'ai peur qu'on soit loin de plus en plus de la sortie. Non, ah, on est juste là. Ils sont pas papales? J'arrive, hein. Je vais voir ce qui se passe par là-bas. Une toilette. Ah, il y a un masque. Je suis là, hein. Hello? J'arrive. Bon voilà, c'est vraiment, un truc de ouf, hein. Il y a vraiment énormément de... pièces. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un labyrinthe. Il y a pas d'autre mot. Un dédale. Ouais, un dédale. Il y a pas d'autre mot. Je me rappelle de ce que j'ai. La bonbonne. Franchement, c'est facilement de se... Enfin, facile de se perdre là, à mon avis. Avec moi, et là... Je dirais là... Ouais, c'est ça, là. Là. C'est bon. Ouais, donc c'est... ça serait super facile de se perdre là-dedans. Voilà. Mais non. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Il y avait une ambiance vraiment sympa dans ce sanatorium, c'était pas glauque, mais il y avait une bonne ambiance. Enfin, voilà, on avait wait dans les caves, dans tous ces trucs-là, c'était cool. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à commenter la vidéo. Allez, à bientôt.